since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way. And let the passion come. Allez, on va procéder à la connexion de la caméra Reolink modèle PT, hein, PT. Reolink, on ouvre l'application Reolink. Donc, je vais moi faire capture d'écran. Voilà, Reolink. Donc là, elle se connecte directement à l'autre caméra. Voilà, je vais quitter. Voilà, on est sur ma caméra. Donc on peut voir ici que le panneau solaire est installé. Je peux vous montrer, hein, comme ça, je vous refais un retour de la caméra. Et là, ben, le panneau solaire fait bien son travail puisque la caméra est quand même à 97%, 97%, ce qui est quand même pas mal. Donc elle a très peu perdu de charge. J'utilise très peu aussi, hein, et les alertes, je ne reçois pas beaucoup. Donc ça explique. Hein. Allez, donc je retourne sur la première interface pour avoir le plus ici. Donc si c'est jamais vous avez déjà une caméra, ben vous savez, vous devez aller sur la première interface. Je vais enlever ici. Voilà le petit cache. Et on va allumer la caméra. Donc on ouvre ici, on allume. Voilà. On referme. Est-ce que ça clignote? Ça s'allume, ok. Camera has been started up. Please run Reolink app, add the camera and set it up. Voilà, donc on n'aura que de l'anglais à chaque fois. Please run Reolink app, add the camera and set it up. Ok, ils nous disent d'ajouter la caméra. On va ajouter la caméra. Donc on doit scanner le QR code. Le QR code se trouve en dessous de la caméra. Voilà, je scanne la caméra. Wi-Fi non configuré, vous devez configurer les paramètres Wi-Fi pour les appareils nouvellement ajoutés ou réinitialisés. Wi-Fi déjà configuré, moi mon Wi-Fi déjà configuré. Et ça va se connecter à l'appareil. Sinon, vous faites Wi-Fi, vous rajoutez votre mot de passe. Il faut être connecté au Wi-Fi 2,4 GHz, que moi j'ai fait. Donc, je suis sur mon Wi-Fi 2,4 GHz. Donc, vous allez avoir la différence entre Wi-Fi, il sera écrit 1,5 à la fin, ou 2,4. Si vous n'avez pas la différence, ça veut dire que votre réseau est fusionné ensemble. Et là, il faudra rentrer dans les paramètres. Donc, si ça ne se connecte pas, vous pouvez essayer plusieurs fois, mais... si ça se connecte pas, vaut mieux aller dans les paramètres de sa box Wi-Fi et faire séparation du réseau. Please run Reolink app. Add the camera and set it up. Donc elle veut pas, ok. Bon, je vais faire annuler, je vais refaire Wi-Fi non configuré. J'ai entendu l'invite vocale. Suivant. Autoriser la priorité d'accéder à la position de cet appareil. Ben, oui, toujours autorisé. J'installe mon Wi-Fi. Donc je vais vous brouiller cette étape. Voilà, il demande de scanner le QR code. On va scanner maintenant. Voilà. Scan succeeded. Voilà. Camera is connecting to your router. La caméra scanne tout de suite. On fait suivant, on coche la case, on fait suivant. Connection to the router succeeded. Welcome to Reolink. Voilà, ils nous disent que la connection to the router succeeded. Au routeur. Welcome to Reolink. Et réussi, donc je peux cocher la case et faire suivant. Lancer l'initialisation, créer un mot de passe de connexion. Donc on peut créer un mot de passe de connexion. Donc donner un nom à la caméra. Donc je vais mettre pour l'instant caméra, comme d'habitude vous connaissez, caméra bureau. Voilà, suis... Oh mince, ah, bon, je me suis un peu loupé, c'est pas grave, on pourra changer... On pourra changer le nom dans les paramètres. Bon, utiliser maintenant. Donc ça c'est bien. Si je fais ça, glisser sur la gauche pour entrer en mode aperçu immersif. Ok. Bon, ça on verra les paramètres de la caméra. Compris. Et là on peut. Et là, vous pouvez me voir, voilà.
Et c'est vraiment réactif, hein. Bon, faut voir comment ça se comporte. Faut voir vraiment comment ça se comporte. Au niveau, en tout cas, ça a l'air très fluide. Donc voilà. Bon, je vous en montre pas plus. On va visiter. Donc, on va regarder les différentes caractéristiques de l'application sur une autre vidéo, dans ma vidéo test. Comme ça, j'ai le temps d'apprendre comment l'utiliser. Et bah vous allez voir ça dans la vidéo test. Donc je remercie encore les anciens d'avoir regardé, les nouveaux de vous abonner. Un grand merci à vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dingo de Rouen.